Le goût de ça. Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La recette que je vais partager avec vous, c'est comment faire la pâte de samoussa et faire samoussa en même temps. La pâte et tous les ingrédients. Donc, comment faire du samoussa avec la pâte. Pour les ingrédients, vous aviez besoin de 2 caps de farine. Ensuite, vous aviez besoin de 3 cuillerées à café d'huile végétale. Ensuite, vous aviez besoin de 1 cuillerée à café de levure chimique et du sel, une bonne pincée de sel et 150 ml d'eau. Pour la farine, vous aviez besoin de un oignon que j'ai découpé, un oignon, ensuite un mélange de carottes, d'haricots verts et du petit pois. Ensuite, vous aviez besoin de la viande. Il faut utiliser la viande au choix. J'ai ici de la viande de bœuf, à peu près 100 grammes, 150 grammes. Ensuite, vous aviez besoin des graines de fenouil. Ensuite, une bonne pincée de graines de fenouil. Ensuite, une bonne pincée de curcuma. Une bonne pincée de paprika. Une bonne pincée de sel. Une bonne pincée de poivre noir moulu. Ensuite, 2 pincées de magie poulet en poudre que j'ai fait à la maison. La recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, vous aviez besoin de 1 cuillerée à café de curry. Et c'est tout. On va commencer la pâte. Pour commencer, je vais mettre une bonne pincée de sel dans la farine. Une bonne pincée de sel. Ensuite, je rajoute la levure chimique. Pour mélanger le tout. Maintenant, je vais rajouter l'huile. Je vais utiliser ma main pour faire le mélange. Il faut bien laver vos mains. Il faut bien mélanger le tout. Après avoir mélangé, je vais rajouter l'eau au fur et à mesure en mélangeant. Faut mélanger, faut bien travailler jusqu'à obtenir une pâte homogène. Faut pétrir la pâte 10 minutes. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Dans une poêle, il faut déposer la poêle au feu. Ensuite, rajouter l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer. Maintenant, je vais rajouter le mélange des ingrédients. Il faut frire 5 minutes. Vous voyez, dans mon mixeur, j'ai mis la viande. Je vais hacher la viande dans le mixeur. Voilà, je rajoute la viande. Il faut laisser à feu doux. Il faut réduire un peu. Il faut laisser à feu doux.
Maintenant, je vais assaisonner avec tous les ingrédients. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire la pâte de samoussa et faire en même temps la recette complète. J'avais partagé la recette de samoussa, mais je n'avais pas partagé la recette de la pâte. Aujourd'hui, la recette est complète. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. C'est une recette très simple et délicieuse. Je vais laisser mijoter à feu doux 10 minutes avant d'éteindre le feu. Et voilà, la farde est prête, je vais éteindre le feu. Dans une casserole, il faut déposer la casserole au feu, ensuite rajouter l'huile de friture. Il faut laisser l'huile chauffer avant de frire. Et voici mes samoussa. Il faut faire la forme au choix. Donc j'ai fait deux formes, genre pastel. Et voici. Donc maintenant mon huile est chaude, on va frire. Maintenant, je vais les retirer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Le goût de ça. Et voilà, mon samoussa est prêt. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire la pâte de samoussa et la recette complète. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!